tout le monde, c'est le temps et on se retrouve pour un début de vidéo assez n'importe quoi. Donc c'est le début de l'épisode 3. J'ai joué juste après pendant que ça fait le rendu. Là je suis en train de jouer, donc j'ai pas encore vu vos commentaires de l'épisode 1. Je voulais juste aller voir ce que ça donnait ici et puis en montant, donc là on était allé là-bas et en montant ici, bah, ce que je trouve, déjà un lit, donc que j'aurais pu le prendre, et je trouve Toussaint. Regardez, là voilà, j'ai ça hein. Déjà juste là c'est totalement cheaté. Ensuite beaucoup de choses, bon, c'est en maille donc c'est différent, et ici donc ouais c'est un petit peu voilà. Je pense que je vais prendre genre un seul ou même pas en fait, parce que c'est un petit peu cheaté. Je sais pas, j'hésite grave à en prendre. Parce que c'est totalement cheaté. Si juste ici il y a ça, je me demande ce que c'est les autres. Bon, on va dire que les trucs en maille, j'ai le droit. Voilà. Donc c'est le début de l'épisode 3. Hein. Je continuerai demain ou après-demain le temps que vous mettiez vos commentaires. Voilà, on va dire que les trucs en maille, j'ai le droit de prendre. Et bien sûr le fer et les pommes. Donc je suis en train de vraiment de prendre tout ça, vous pouvez voir mon inventaire, je suis en train de prendre quelques petits trucs. Et voilà, bon bah voilà, c'était une petite vidéo, enfin une petite vidéo, un début d'épisode assez what the fuck. Et on se retrouve bah, pour moi d'ici 3 jours, pour vous d'ici quelques secondes pour la suite de l'épisode numéro 3. Voilà, à tout de suite. Oh de l'or, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Ah, bâtard. Bon, je vous reprends juste de nouveau, donc suite de la petite épisode, enfin des deux petites minutes assez what the fuck. Je continue mon marché. Je passe ici, c'est cet endroit où je suis pas venu, donc j'ai ouvert la porte, de nouveau un lit, j'ouvre ça, et voilà. C'est incroyable. Bon, je vais pas prendre. Je prends juste les diams et la pomme en or, ça je vais pas prendre, ça ferait trop shit. Nous revoilà les gens, donc pour vous ça a duré une seconde, pour moi ça a duré environ 12 heures, à peu près, avant les débuts de vidéo juste avant, et puis suis maintenant. Donc j'ai mis le mode craft guide, d'ailleurs les vaches se sont bien. Se sont bien. Ham ham. Bon, elles ont bien baisé quoi. Donc. Donc voilà, on se retrouve pour l'épisode numéro 3. Hein. Bon. C'est un petit peu bizarre de reprendre ça maintenant. Et donc, Craft Guide, c'est un mode donc, qui vous permet de. Qui vous permet. J'ai du mal parce que j'ai une sale journée. Qui vous permet de. Oh là là. Pardon, j'ai tapé le micro. Qui vous permettent de vos trucs, vous comprenez? De voir tous les crafts du jeu, donc même les modes installés. Et voilà, hein, donc il nous faut des livres et des feuilles, donc beaucoup de canne à sucre. Donc je vous propose d'aller faire un petit tour et de chercher des cannes à sucre. Par contre, il y a un petit reste de bâtiment là-dedans qu'on n'a pas visité. Donc on va aller faire ça vite fait. Alors, d'ailleurs j'ai droppé plein de trucs, donc regardez tout ça. L'arc est juste génial, je l'ai eu sur un des boss en quelque sorte du mode mutante créature. Et puis ceux-là aussi. Donc je les utilise pas, hein, sauf l'arc, bien évidemment. Ça se dit bien évidemment? Je sais pas. Alors, bon allez on prend cette épée même si elle est un petit peu cassée. Pas mal de fer hein, quand même, du charbon. J'ai aussi trouvé du diams, de la redstone. Je suis parti un petit peu chercher des ressources. En allant à la quête des cannes à sucre, j'ai trouvé des lions et les lions nous donnent du bof. Ainsi que du cuir. Donc le cuir va nous être utile pour le truc.
Ah, j'ai oublié une pioche au cas où. Pour le craft guide. Donc voilà. Ah, j'ai oublié les torches. Oh, j'ai beaucoup de mages. Voilà. Bon, sinon on est déjà pas mal bien mis. Donc j'ai mis l'épisode 1, il a l'air de plutôt bien marcher. Bientôt 400 vues à l'heure où je tourne. C'est en moins de 24 heures, donc c'est plutôt pas mal, hein. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de vues d'un coup. Donc je pense la continuer largement. Juste pour vous montrer. Ah, mais j'ai pas de flèche. Bon bah tant pis, on trouvera un archer. Ah bah il y en a un là. Alors. Oula, j'aime pas trop le map qui est là-bas derrière. C'est quoi? Ah mais c'est une araignée. Donne-moi des flèches, donne-moi des flèches. C'est bon, j'ai une flèche. Même deux. Voilà, maintenant on va manger une petite côtelette. Je sais pas si le son est correct. Normalement, oui. Donc on n'est pas allé là-bas. Et j'avais pas vu ici, mais j'ai eu une petite expérience avec un creeper. Du coup, bah, il a fait péter tout ça et j'ai vu les coffres. Je sais pas si on pouvait déjà les voir avant. Bon, j'ai fait un petit escalier. Et je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Donc dans les épisodes précédents, bon, je m'attends à beaucoup de stuff, hein, ça. Vu que là-bas, il y avait du bon stuff. Ah, il y en a un autre là-bas, juste pour vous montrer un petit peu la puissance de l'arc. Ah, ça l'a pas ken. Voilà, là ça la ken. Je cherchais l'XP, hein. Niveau 24 déjà, c'est plutôt pas mal. Alors voilà. Sinon j'ai exploré un petit peu là-bas. J'entends que ça tape, mais je sais pas d'où. Bon, bah, tant pis. On va juste voir là, des fois il y a des mobs ici. C'est ici que j'ai droppé l'arc. Sur le... Je crois que c'était le zombie, c'était un petit peu bizarre. Je crois que c'est sur le zombie parce que je l'ai vu qu'après l'arc, donc je suis pas sûr. Donc déjà... Bon, là la table, bon, le pieu... une torche, bon... Qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme équipement cheaté? Alors, d'accord. Bon, je prends toujours que les lingots, hein. Tout ça, je prends pas... D'accord. Je prends ça... L'argile peut être utile, et la boussole. Les stuff en diams, c'est quand même cheaté, hein. Stuff en diams, je prends pas. Truc en maille, je prends pas non plus. Ah, ça va être utile, le mycélium. Je sais pas en quoi, mais ça va être utile. Et le dernier coffre, une épée en diams. Oula, attention. J'ai entendu un gros mob. Je me demande juste avec quoi est-ce qu'on enlève ça vite. Non, c'est pas... Je sais pas avec quoi on enlève ça. Je trouverai par moi-même. Ah, un livre, j'ai pas vu. Oh, ça va être utile. Ah, et encore des émeraudes. On a fait tous les coffres, non? Ça fait un petit peu mal au cœur laisser autant de trucs en diams derrière moi. Oh, celle-là, one shot, quoi. Est-ce qu'on peut prendre une enclume? Ah oui, on peut. Ça va nous être utile. Alors, je prends les poudres, hein, toujours. Bon, niveau champignons, j'en ai pas mal. Ah, j'ai pas vu ce trou avant. Oh, purée. Attendez. Oh là 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 là, il y a plein de creepers. Mais la série a plutôt l'air de vous plaire. Donc... Ouh là 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 là. Ah, il y avait du fer. Bon, j'en ai déjà pas mal. Ouh là là, j'ai pris quand même cher. Hein. Là, c'était chaud. Je sais pas où ils sont. Bon, tant pis. Allez, on va partir à la quête du j'allais dire d'un autre jeu. Du truc là. Des cannes à sucre. Je m'excuse pour cet épisode, c'est parce que j'ai eu quelques petits soucis IRL. Du coup, j'ai la tête un petit peu ailleurs, mais bon. On va faire avec. Alors, ah, chaud. Ah, il fait nuit, d'accord. Du coup, faut faire attention. Vous pouvez voir aussi sur la carte. Oh là 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 là, je rentre. Je rentre ou on se le fait? Non, je pose juste ça. Ah, attendez, qu'est-ce que je viens de poser ici? Les flèches.
Les flèches, l'arc, je dois le garder. L'épée, ça, je mets là. Pomme ici. Oula, c'est quoi qui est là? Ah, un archer. Alors, on a déjà 12 émeraudes. Faudrait qu'on trouve un village PNJ. Je crois qu'ils sont plus dans le sable. Donc, on faudra trouver un petit truc de sable. Alors, ils sont où les cuirs? Ah, ils sont là, je les ai pas vus. Ah, la bouffe de zombies, c'est ici. 25 poudres à canon quand même. Le livre aussi. Ranger un petit coup. La boussole, ça je vais plutôt mettre dans le bois. Même si ça n'a rien à voir, mais je préfère mettre dans le bois. L'argile, ça. Toc toc toc. Ah, on en a, j'en avais déjà une. Le fil. L'enclume, on va déjà la poser. Ça fera un petit objet de plus. Allez, on va la mettre dans ce coin-là. Sept, purée, ça coûte cher. Alors, juste que je fasse attention, je regarde bien autour de la maison. D'accord, je vois. Ah. Oh là là. Bon, on va d'autres. Ah, je peux pas, juste. Je sais pas si elle est puissante. Allez, il faut juste que je retrouve le gros. Ah, là-bas il y a. Oh non, non, non! Regardez ce qu'il y a en haut. J'ai posé toutes mes flèches, donc du coup je peux plus tirer. Ah là, j'ai la souris qui est bloquée, c'est bizarre. Oula! Non, non, je vais pas faire ça. J'ai la souris qui est bloquée. Attendez, je lève juste un peu le bouton. Ah voilà, elle a débloqué. Alors, ça c'est bon. Ah oui, j'ai aussi drop ça. Je l'ai pas encore utilisé, je sais pas quoi. Enfin, il doit faire très mal, mais je préfère pas l'utiliser maintenant. Non, non, donc celui-là, je l'ai drop sur le mutant zombie. Et l'arc, c'était sur quoi? Bref, c'était sur un gros monstre aussi. Donc, bon, je pense pas que la pioche, je vais. Ben, au cas où le creeper pète. Mais j'ai pas de flèche ou quoi? Mais je l'ai de nouveau posé. C'est n'importe quoi. Il est où? Il est là-bas. Ah, c'était juste un creeper. Bon bah allez, let's go. Par contre, si on défie le creeper géant, j'ai pas trop envie qu'on soit près de la maison. Donc c'est toi que j'ai ken. Ah bah là. Mais pourquoi ils disparaissent? Je comprends pas. Comme le creeper mutant, il a disparu. Oula, ça lag. Bon là-bas il y a des Endermen. Ah oui, ces trucs ça donne aussi à bouffer, donc il faut qu'on se les fasse. Oh! Va-t-il résister à l'arc? Ah oui, totalement. Bon allez, petite ellipse, je continuerai juste après. Nous revoilà, donc on est déjà à un quart d'heure et j'ai envie de jouer, donc on va. Je vais peut-être arrêter l'épisode là. Et faire déjà l'épisode 4 de notre série. D'ailleurs, est-ce que j'ai mute? Non, non, c'est bon. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai avancé un petit peu en solo. J'ai ramassé pas mal de canne à sucre. J'ai trouvé le biome sable, enfin le désert qui est par là-bas. Et donc voilà, dans le désert, il y a beaucoup de mobs différents. Donc vous le verrez par la suite. Voilà. Les vaches, je dois les reproduire de nouveau. Enfin, bientôt. Donc, on va déjà commencer à faire le papier. Ça sert à rien comme ça. Alors. Tac. Ensuite. Bon, je suis en train de me compliquer largement la vie. Voilà, et ensuite pour faire. Ah, ouais, il me faut du cuir. J'en avais pris du cuir. J'avais réussi à avoir du cuir, mais je sais plus où je l'ai. Ah, il est là. Alors, le cuir, c'est comment? Je sais pas si c'est comme ça. Ah, si.
Ah, on peut se le craft? Mais comment on craft ça déjà? Je sais plus si c'est comme ça. Je vais aller vite fait sur pour voir le craft, hein. Je reviens tout de suite, on s'arrêtera là. Donc, il nous faut une truc. Oula, j'ai du mal. C'est comme ça, voilà. Comme ça, on met ça au milieu. Ensuite, c'est un truc du style. Voilà, bah voilà, on a notre livre, enfin. Et du coup, bah on a déjà. Ah, j'avais déjà des livres, c'est vrai. Du coup, on a ça. Et puis, maintenant, on peut voir tous les crafts de toutes les choses. Ah? Le sol, je peux le transformer en ça. Ah oui, mais ça me sert pas d'outil aussi. Je sais. Oula. Ah, d'accord, feu. D'accord, bah je mets du feu si j'ai ça. D'autres craft. Ah, la jukebox on fait comme ça. Bah ça je savais pas. C'est pas la même chose, donc ok. Tac. Ah. Ok, bon. Bah, il y a déjà pas mal de petites choses. Ah, voilà. Ok. Ah, donc il y a du bois différent. Il y a pas mal de. Ouais, il y a du. À part si ça, c'est pas du bois. Comment on l'obtient ça? Ah, c'est avec ça. Ah, ouais, c'est avec du bois. Alors, ça sert à quoi? Ça, je sais pas à quoi ça sert. Alors. Tac. Ah, j'ai vu quelque chose d'intéressant là. Ok. Ah bah il y a pas mal de petites choses quand même. Il y a pas mal de toutes petites choses. Bah du coup vous savez ce qu'on va faire? J'avais ça là, donc autant en faire cuire et voir ce que ça donne. Et on va s'arrêter là après. Donc en tout cas c'est cool, on a déjà notre petit bouquin, du coup on va pouvoir voir les crafts tout simplement. On va essayer toujours de garder un petit peu sur nous. Ah ouais, d'accord. Bon, attendez, j'en ai. Ah, attendez, là, il y en aura 4 autres. Oula. 4 autres, et c'était comme ça. Oh, j'avoue que c'est pas si mal que ça. Est-ce que ça peut le faire au sol, au lieu de ça? Ouais, ça pourrait le faire, hein. Donc je ferai ça pour l'épisode prochain, je vais enlever tout le sol et mettre plutôt 7 pierres. Donc voilà, bah, je connaissais pas ça, je pensais que c'était juste de la bouse toute bête et non du tout. Donc voilà, ah, ça c'était pas prévu, bon, ah, ça non plus. Ah bah du coup on peut y aller, on peut aller le chercher. Voilà. Tac, tac, tac. Ouais, on se retrouvera pour l'épisode de numéro 4, où j'aurai fait la maison, un peu mieux. Et on ira dans le biome sable, enfin désert, pour vous montrer tout ça. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il est un petit peu bizarre parce qu'il y a plein de petites. J'ai tourné en plusieurs fois, donc c'est un petit peu bizarre. Parce que je fais pas ça souvent. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et bye bye tout le monde.